Non mais vous êtes en colère, vous en avez marre. Moi je suis là devant vous, vous n'avez jamais vu un président qui est venu pour la deuxième fois 3 jours devant vous. Donc moi je partage votre indignation. Mais non, mais moi je ne prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées. Donc je veux bien prendre les engueulades quand on me dit « il y a 2 ans, vous nous avez dit qu'il y aurait 100 s'il n'y a pas 100 ». Pardon, mais sur la sécurité, j'avais donné des chiffres précis, tout y est. Sur les transports, j'avais donné des montants d'investissement, tout y est. Et après les calendriers, je veux que ça aille plus vite, on ne le fait pas tout seul. Avec le maire maintenant, on est complètement calé et on développe l'agenda, on y sera. Donc c'est bon. Mais non, mais moi je partage votre colère, mais cette colère, elle doit être positive. Non, mais c'est trop... Parce que pendant des décennies, pourquoi ça n'a pas bougé? Parce qu'on est venu vous voir, on a dit, on partage votre colère, mais c'est un autre qui fait le boulot. Moi, de là où je suis, je ne peux pas vous dire que c'est un autre qui fait le boulot, je vais vous dire, on va tous bosser ensemble. Mais il y a un moment donné, cette colère, il faut que vous la convertissiez en projet. Il faut qu'on la convertisse en projet. Sinon, dès que je suis parti, on repart comme en 40, tout le monde dit, c'est pas moi, c'est l'autre, tout le monde se divise, tout le monde se tire la bourre, et après on vient vous voir, on vous aime bien, vous êtes en colère, vous avez raison. C'est trop facile. Ça fait des décennies qu'on vous dit, c'est bien, vous êtes en colère. C'est dur, vous vivez une vie difficile. Votre colère, elle est justifiée, mais la colère, elle ne suffit pas. On doit régler les causes profondes. Moi, c'est pour ça que je suis devant vous. Donc, non mais, ben c'est vrai. Donc maintenant, on enchaîne. Là, franchement, quand j'étais plus jeune, je disais de traverser la rue.